Bonjour à tous et à toutes. Je reviens aujourd'hui vers vous pour vous présenter une nouvelle vidéo. Donc, il s'agit d'un album. Un album sur le thème d'un week-end chez un ami, donc qui s'appelle Julien. Donc, avant que vous ayez dit quoi que ce soit en commentaire, oui, oui, il y a bien deux L à Julien. Voilà, parce que je sais qu'on m'a fait la réflexion, donc voilà, je préfère le dire. Donc, c'est un album donc sur, comme je vous disais, un week-end donc, qui a lieu au mois de juin 2019 et que j'ai réalisé il y a déjà un petit moment, mais que je n'avais pas encore pris le temps de vous filmer. Donc, c'est un album que j'ai voulu tout en douceur. Vraiment, donc là, comme ça, on dirait pas parce que c'est vrai que la couverture est noire, mais ça contraste justement totalement avec l'intérieur. Vous verrez, là, on a du noir et du craft. À l'intérieur, ça va plus être du blanc, de l'effet texture bois, texture lin, etc. Donc, au niveau des dimensions, donc il mesure 18 cm par 24 cm et la tranche mesure 7 cm. Sachant que la tranche est assez épaisse, mais j'aurais pu la faire beaucoup moins épaisse parce que du coup, j'ai laissé 1 cm entre chaque page et ma décoration n'étant pas si volumineuse, j'aurais pu laisser qu'un demi centimètre, ce qui aurait fait une tranche beaucoup moins épaisse. Voilà. Donc, au niveau des compositions, vous verrez à l'intérieur, toutes les compositions sont sur le même principe que celles que vous voyez sur la couverture. Donc, celle sur la couverture me plaît bien, par contre, je la trouve beaucoup trop haute. J'aurais dû la mettre plus vers le milieu, échanger, mettre le week-end chez Julien différemment, mais bon, voilà, une fois que c'était collé, c'était trop tard. Donc, donc là, je suis en train de vous montrer l'arrière de l'album, donc c'est juste un tag avec un petit tamponnage fait maison et puis quelques décorations. La reliure, ce sont deux petites attaches parisiennes qui maintiennent une toute petite bande de craft dans laquelle s'insère une grande bande en fait de craft. Voilà, donc c'est une reliure assez simple à réaliser et qui tient plutôt bien. Au niveau de la composition, donc comme vous voyez, j'utilise systématiquement des découpes réalisées avec différents dies feuillages que j'ai reçus récemment. Donc à chaque fois en blanc, en vert et en craft. Ce sont vraiment les seules couleurs que vous allez retrouver. J'ai également donc des tout petites fleurs en pâte fimo donc que je vous montre. C'est aussi celles qui me servent sur le décor que j'ai réalisé. D'ailleurs, dites-moi si ça vous plaît ce genre de petit décor. Que je sache si je dois en refaire ou pas. Donc vous voyez, ce sont des minuscules pâtes, fleurs en pâte fimo que j'avais acheté donc sur un site internet et je me suis complètement trompée sur la taille. Je pensais qu'elles étaient beaucoup plus grandes et donc je savais pas trop comment les utiliser et je me suis dit que ça pouvait servir en fait à la place des enamel dots histoire de changer un petit peu. Donc là, comme vous voyez, j'utilise également du washi tape de chez Action. Donc c'est un washi tape cactus. Des étiquettes qui viennent, voilà, des blocs que je suis en train de vous montrer. Donc, pas forcément celui que je vous montre, mais j'ai pioché un peu dans plusieurs blocs. Donc, voilà. Et puis, également, des étiquettes avec des petits mots et des embellissements bois. Donc, les étiquettes avec des petits mots, je vous les montre un peu plus loin dans la vidéo, tout comme les papiers que j'ai utilisés. Donc là, comme vous voyez, c'est très très sobre. Vous avez systématiquement sur la page de gauche un papier effet bois, effet lin, effet vraiment matière naturelle. Et sur la droite, vous avez systématiquement du papier plutôt couleur pastel. Donc là, ce que je vous montre à la vidéo, c'est que j'ai oublié de camoufler les petites attaches parisiennes, mais bon, c'est pas ce qu'il y a de plus grave. Donc voilà, et donc là vous avez une petite composition réalisée, donc comme je vous disais, toujours avec le même principe. Donc c'est un album qui est relié avec une reliure accordéon, donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, je pourrais vous faire un tuto. Et en fait c'est un album donc avec la reliure accordéon, comme je vous disais, et en fait dans lequel s'insèrent des enveloppes, tout simplement. Ce sont des enveloppes ouvertes dans lesquelles j'ai inséré des photomates couleur craft que j'ai laissé dépasser pour... parce que j'avais envie en fait, je trouvais que ça faisait sympa.
Et donc voilà, à l'intérieur, vous avez quelques petits tamponnages, des petites découpes, du washi, enfin tous les éléments que je vous ai présentés juste avant qui décorent les photos. Donc comme d'habitude, vous avez l'habitude sur ma chaîne, les visages sont cachés par du washi tape, par respect pour les personnes qui sont présentes sur l'album. Le seul visage qui ne sera pas caché sera le mien. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire donc sur cet album. Donc c'est, je crois, la première fois que je fais une voix off après avoir filmé l'album. Parce qu'en fait, vous l'avez filmé comme d'habitude en vous expliquant au fur et à mesure ce que je vous montrais. Sauf que le son était vraiment pas bon. Je pense que le logiciel n'avait pas pris le bon micro. J'ai pas dû bien régler la chose. Enfin, voilà, ça, ce sont des questions techniques. Mais du coup, je voulais pas vous mettre une vidéo avec un son vraiment pourri. Donc, j'ai préféré vous refaire une voix off. Donc, j'espère que vous serez indulgents. Parce que du coup, j'hésite un peu plus. C'est un peu compliqué comme exercice hein, quand on n'a jamais fait, mais bon, ça se fait. Donc je pense que je vais vous laisser avec la vidéo en musique, histoire que vous voyez un peu le contenu de l'album. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Là je suis en train de vous montrer sur la voix off les petites étiquettes avec des mots dorés dont je vous parlais. Et puis à un moment donné aussi, vous allez voir, je vais insister sur des étiquettes qui sont tout simplement des étiquettes d'écoliers basiques pour marquer les noms sur les cahiers. Donc là je vous les montre pas sur la vidéo, mais vous verrez que j'insiste un peu dessus, donc je vous dis tout de suite ce que c'est. Voilà. Sur ce, je vous laisse avec la vidéo en accéléré et en musique, et on se retrouve. Donc me revoilà, donc j'espère que l'album vous a plu. Là donc je vous montre les différents blocs de chez Action que j'ai utilisé. Donc celui aux couleurs pastel, c'est le Natural Beauties. Donc c'est un bloc qui date d'il y a bien au moins un an, voire plus. Là ce que je vous montre, c'est aussi que j'ai réalisé quelques petits tamponnages effet texte avec donc la Distress Vintage Photo. Que je vais vous montrer tout de suite là la vidéo pour celles qui ne connaissent pas. Voilà, donc j'ai réalisé quelques tamponnages derrière les compositions, derrière les photos, systématiquement sur chaque page. Voilà. Et donc le deuxième bloc de papier que j'ai utilisé pour les pages de gauche que je suis en train de vous montrer, c'est le Light Texture qui est sorti il y a quelques mois de ça, et que j'avais pour lequel j'avais craqué totalement et que j'avais donc pris en 2 exemplaires. Voilà, c'est tout à peu près ce que j'ai à vous dire sur cet album. Donc j'espère qu'il vous plaît. N'hésitez pas à me le mettre votre avis en commentaire, à me poser vos questions si vous voulez d'autres informations sur cet album, à me dire si vous souhaitez un tuto de la structure. Et puis d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien.